Fatal attraction, lovers in action, yeah. One of us is gonna get hurt. You got your madness and I'm good at bad habits. Oh, one of us is gonna get hurt. I'm no one to trust, ask anyone and you will see it real. I'm dead serious, it's you or me, you best believe it. This is not a drill. This is fake. Salut. Salut Nicolas. Bon, merci d'être venu. Pas de soucis, hein, tu me l'as demandé, alors je suis là. Hein. J'aurais compris si t'avais refusé. En plus, on va devoir se supporter toute la soirée. C'est pas dit qu'on y arrive. Purée, j'avoue. J'y avais pas pensé, hein. Pourquoi je m'inflige une torture pareille? Ah ah, t'en loupes pas une, toi. Bon, écoute, je te propose qu'on regarde un film, si ça te va. Tant qu'on met pas plus de temps à choisir le film qu'à le regarder, moi ça me va. Je t'imagine bien comme ça. C'est tout à fait ton genre. Merci, c'était gratuit ça. Je vois pas de quoi tu parles, de toute façon j'ai déjà choisi le film. Mais de rien. Alors, parfait. Let's go. Très bon choix de film, hein. Je l'avais pas encore vu. Ah bah tu vois, je sais aussi faire de bons choix. Ouais. Attends, hein, je sors 5 minutes, je vais aller toucher un mot à la jambe ce soir. T'avais raison, hein. Quand je suis arrivé, il était en bas en train de fumer sa clope.
Bah oui, je te l'avais dit. C'était pas du tout un prétexte pour que tu viennes, hein. Ouais, c'est ce que tu veux me faire croire, hein. Mais bon, je vais le voir, je reviens dans 5 minutes. Ne t'endors pas, hein. Tu as piqué du nez plusieurs fois pendant le film. Ça, c'est tout à fait possible. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Mais oui, vas-y, fais ce que t'as à faire. Ah bah génial. Je suis censé faire quoi maintenant? Bonjour à tous, c'est Asteria, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de Profileuse. Alors, comme vous avez pu voir dans l'intro de cet épisode, Antea se remet tout doucement du meurtre de Pierre. Mais elle a encore le cafard et donc elle a pu compter sur la présence de Nicolas pour lui changer les idées. Et d'ailleurs, la soirée s'est terminée de façon un peu étrange. On a un peu de mal à savoir ce que Nicolas a derrière la tête. D'ailleurs, on en saura un peu plus très rapidement. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour me soutenir. Et comme d'habitude, vous êtes aussi les bienvenus en commentaire, je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour la suite de cet épisode. Et on se retrouve avec Antea. Alors, pour me rappeler les horaires, parce que ça fait un petit moment quand même, elle travaille à 6h30, donc c'est pour ça que je l'ai levée aussitôt. Donc elle part dans un peu moins d'une heure et demie. Bon, au niveau de l'énergie, ça va, elle a eu le temps de se reposer. Par contre, il faut qu'elle passe aux toilettes et elle a faim, donc on va essayer de faire ça avant qu'elle parte travailler. Allez, tu passes vite aux toilettes. Oh non! Je me disais bien, il y a la douche qui est cassée. Voilà, je sais pas si on a le temps de la réparer en vrai. Hein. Tant pis, on fera ça ce soir au pire. Du coup, elle va prendre un truc rapide parce qu'elle a pas vraiment le temps. Elle va prendre des céréales. Oula, ça va être juste... Ouais, on aura juste le temps de manger et de partir. Bon, ça va. Alors, au niveau des tâches de promotion, je me rappelle qu'on avait fait ça la dernière fois. On n'avait pas du tout avancé sur les 3 réunions en visio à faire. Et ben, après, il y a toujours la compétence charisme. Mais bon, on va essayer aussi d'avancer sur l'écriture de son livre. Parce que c'est quand même la seconde activité. D'ailleurs, il faut que je jette un œil aussi à son aspiration. C'est vrai qu'il y a des choses là qui se cochent, c'est vrai que je regarde pas souvent, mais ouais. Là, il y a un truc qui est écrire 5 bons livres. Bon, on en a déjà fait un seul sur 5. On verra peut-être que le prochain, il sera bon, et qu'on atteindra 2 du coup. Autrement, ça, c'est déjà coché. Allez, bah ça va être l'heure, là, elle va partir, nickel. Ah bah ça va, elle a la chance, il fait beau. Oula, c'est quoi ça? Mais non, il y a quelqu'un qui a laissé des déchets, là? Quoi, cette histoire? Ah, je peux que le mettre dans l'inventaire. Moi, je peux pas le jeter. Ah, il y a des poubelles, là. C'est quoi, en fait? C'est du linge? Bon, écoutez, je vais le mettre dans l'inventaire, voir ce que ça fait, parce que, en fait, je peux faire que ça. Pas ça quand elle rentrera, hein. Et là, l'avantage, c'est qu'elle rentre assez tôt, en fait. Elle commence tôt, et elle finit tôt. Elle finit à 12h30. Et on a reçu nos rapports de droit d'auteur. Très bien. Donc, ouais, au moins, ça nous laisse vraiment toute une après-midi pour faire autre chose que travailler. Et voilà, elle est rentrée et elle a gagné 900 simflouzes.
Alors du coup, elle l'a mis dans l'inventaire, mais c'est quoi? Tas de déchets. Mais ouais, mais j'en fais quoi, moi? Attendez, je peux rien faire là? D'accord, mais c'est quoi ce bug? Attendez, je peux pas le déplacer moi dans la poubelle sinon? Ah ben voilà. Moi, pourquoi je pouvais pas jeter manuellement avec une interaction? Bon, bref. Bon, du coup, elle va bien au niveau de ses besoins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite faire les 3 réunions en visio. Voilà, comme ça on se dit que quand elle rentre du travail, ben en fait elle continue un peu à travailler, quoi. De toute façon, elle essaie de continuer à travailler sur l'affaire du photographe. Donc voilà, on va faire les 3 réunions en visio. Et normalement, c'est là, ouais, réunion en visio. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, ouais, c'est bon. Il y en a déjà une de faite. Ah, elle est mal à l'aise. Non, mais là, certains avaient une mauvaise connexion, on n'a pas tout suivi, je n'ai rien compris. Ouais, bah ouais, ça arrive parfois, hein. Bah par contre, il faut qu'elle en fasse 3, donc je pensais qu'elle allait faire les 3 d'un coup, mais non. Donc je vais le faire encore bah, une troisième fois. Voilà. Et au moins, on sera bon. J'ai bien envie qu'elle envoie un texto à Nicolas, puisque c'est vrai qu'il s'envoie souvent des textos au final. Voilà, va lui envoyer un texto, savoir s'il va bien, etc. Et d'ailleurs, elle va appeler sa mère, tiens. Elle va faire ça. Bon, elle fait la. Ouais, elle est en train de faire la troisième. Et c'est bon, on a coché ça. Bah super. Bon, bah du coup, il manquera plus que ça. La compétence charisme, le niveau 8. Et ça va être un peu long parce que là, ça commence à être de plus en plus long. Ah, elle est blasée. Un ennui total. Ah, mais c'est toujours à cause de ses réunions. Bon, bah ça ira mieux là, elle est en train d'appeler sa mère. Alors, elle a besoin d'une pause. Le problème, c'est que je voulais bien la faire aller à la plage, mais on est en automne et il fait frais. Sinon, on va à la salle de sport, ça peut lui faire du bien. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Elle va se déplacer. Alors non, on n'y va pas avec Nicolas. La dernière fois, de toute façon, on l'a croisé à la salle de sport, on n'a rien demandé. Autant il sera encore, hein, on verra. Hein. Allez, c'est parti. Et on est arrivé à la salle de sport, donc c'est parti. Elle va faire quand même un petit peu de sport, voilà. En général, elle aime bien faire du tapis. Elle va faire de l'entraînement. Elle fera un petit peu de muscu, ouais, charge lourde plutôt, et après elle ira à la piscine en bas et se faire masser. Voilà, comme on est en automne, elle peut pas trop aller à la plage et se baigner, elle aurait froid. Mais au moins ici, il y a une piscine et au moins elle va pouvoir en profiter. Donc voilà, comme ça, elle profite un peu de son après-midi. Elle pense un peu à autre chose que au photographe. Mais non! Oh non, mais j'y crois pas, il est encore là, Nicolas. Non, mais sérieux, quoi. Oh punaise. Oh purée, elle est tombée. Purée, c'est un truc de fou qu'il soit là à chaque fois, quoi. On pourrait croire que il le fait exprès de venir à la salle de sport. Ma foi. Bon, pour le moment, elle a pas vu en tout cas, mais c'est sûr qu'ils vont se parler après. Hein. Ah bah elle vient nous parler. Ok. Bon, on va pas tarder à changer d'appareil, ouais. Allez, un peu de muscu et après tira en bas. Hein. Oh mince, ça sent déjà mauvais. Bon, c'est pas grave, après tout, hein, c'est une salle de sport. Hein. Mais elle veut quoi, elle? Bon, elle est bien gentille, mais nous, on essaie de se concentrer là. Oh là là. Oula, lui, il a des yeux chelous, ouais, c'est un CC, il a les yeux jaunes. En vrai, il me fait un peu peur, alors je vais faire Just Go Away. Voilà. Ah bah voilà, elle a fini. Ah oui, bah du coup, elle va prendre une douche, bah c'est une bonne idée. Et comme ça, après, t'ira dans la piscine. Voilà, elle prend sa douche. Bon, Nicolas, en tout cas, il est pas en bas, je sais pas s'il est resté en haut. Il est encore là? Ouais, il est là. Il discute, il est entouré de nanas, là. Bon, ok. Allez, après, t'iras faire des longueurs. Bon, elle est pas très grande, la piscine, mais bon. Eh, mais il est beau gosse, le masseur, là. Attendez, mais on va trop se faire masser par lui, après. Ah ouais, mais obligé, on va se faire masser par lui. Allez, c'est parti. On va recevoir un massage. On va faire quoi? Massage sportif. Et, du coup, avec lui, bien évidemment. Mais attendez, c'est la première fois que j'ai un masseur. Déjà, c'est la première fois que j'ai un masseur tout court, un homme. Mais surtout, aussi beau gosse, quoi. Ah ouais, moi je le veux trop dans mes relations, hein. Allez, dépêche-toi, nage un peu. Ouais, c'est bon, arrête de nager, va te faire masser. Sinon, il va partir. Mais non! Mais il est venu là? Mais non, mais j'y crois pas. Mais le masseur, il est venu dans la piscine pour discuter avec nous, quoi. Il est trop drôle. Oh là là, mais attendez, mais il est pas un peu caliente, là, le mec? Ah non, mais je suis trop contente, comme ça, elle l'aura dans ses amis. Ouais, ça y est, il est là. Ah, ils ont une bonne compatibilité. Bah écoutez.
Et le mec, il nous masse alors qu'il est en maillot, mais trop drôle. Ouais, à mon avis, y a un bug parce qu'il aurait dû se remettre en tenue de masseur, quoi. Mais bon, écoutez, pas déplaisant, hein, je pense que Antea est contente, là. Hein. Bon, par contre, il a l'air de nous faire un peu mal, quand même. Hein. En même temps, j'ai choisi le massage sportif. Il est tard, au final. Bon, ben, on termine le massage, après, on va rentrer, quand même. Hein. Ouais, surtout qu'il faudra qu'elle passe aux toilettes, d'abord. Je pense que je la ferai à l'autoilette avant. Et elle va vite être fatiguée, donc quand elle va rentrer, elle va manger et se coucher, je pense. Hein. Ah, ça y est, elle a fini le massage. Mais pourquoi elle s'est remise en maillot, par contre? Ah, bah parce qu'elle était en maillot avant, ok. Ouais, mais par contre, tu vas rentrer. Oui, va aux toilettes, va aux toilettes. Il doit y en avoir, ouais, c'est bon. Et bah après, tu rentres. Allez. Bah, je comprends pas, elle a pas fait pipi. Ah mince. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, elle pouvait pas. Bon, bah écoutez, elle fera à la maison, hein. J'espère qu'elle va pas se faire dessus, hein. Ah, la pauvre, ouais, elle a vachement envie, en fait. Au pire, y a pas un buisson là, dans les parages où elle peut aller? Ouais, je suis pas sûre. Hein. Bon, bah tant pis. Non, il n'y en a pas ici. Ouais, mais je sais pas moi, tu peux pas courir? T'as envie de pisser? Bah, cours en fait. Oh là là, ça va être long. Hein. Oh non, mais non, 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 elle s'est fait dessus. Oh non, mais je suis deg là. Et oui, mais en même temps, elle a mis 30 ans à rentrer, elle est toujours pas arrivée. Bon, bah écoutez, on va dire qu'elle a eu un petit accident. heureusement, personne l'a vu, il y a personne. Donc vite, maintenant, elle rentre. Ça s'est arrêté. Elle vite rentre, c'est pas grave, tu vas prendre une douche, tu vas te coucher. Bon, elle va tomber de fatigue aussi. Voilà, on a un peu poussé là le sport. Hein. Alors attendez, je mets pause parce que sinon c'est sûr, elle va tomber de fatigue. Et le truc c'est que du coup, elle peut pas se... Là, elle peut pas aller se laver, hein, c'est sûr, elle va tomber... Elle va s'évanouir, c'est sûr. Donc bah, elle va écouter, elle va de suite dormir. Et on prendra une douche demain matin. Hein. Faudra pas qu'on se lève trop tard parce qu'elle commence à 6h30. Déjà, je vais prier pour pas qu'elle s'évanouisse. Allez, allez Antea. Ah, ouf. Bon, c'est déjà ça. Mais franchement, j'aurais préféré qu'elle s'évanouisse, qu'elle se fasse dessus, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va surveiller l'heure. Oh purée, elle aura pas assez dormi, hein. Ça c'est sûr. Bon, écoutez, 5h, voilà, faut qu'elle arrête. Là, elle va vite prendre une douche. Oh non, mais c'est vrai, la douche a été cassée. Oh punaise, bah, tant pis, on n'a pas le temps, là. On la remplace, c'est pas grave. On a les moyens. On va pas la réparer, on la remplace. Allez, prends vite une douche. Et après, t'as juste à manger un petit truc et c'est bon, t'es à peu près bien. Bon, ça va, on s'en sort bien au final. Bon, on va prendre des restes, tiens. Et ouais, 1 heure. Bon, elle aura pas le temps de manger en fait. Hein. Bon, c'est pas grave, en vrai, elle peut manger au boulot. Hein. Eh, quoique, en fait, on a le temps, regardez. Eh bien, écoutez, au final, regardez, elle a eu le temps de manger. Donc, on est pas mal. Bon, elle va vite fatiguer, mais c'est pas grave, au pire, elle fera une sieste quand elle rentrera. Hein. Allez, c'est bon. Elle y va. Ok, bon bah écoutez. Oh non, il se met à pleuvoir, trop deg. Bon bah au moins c'est hier qu'on a profité, il faisait beau. On est sorti. Et là, bon bah cet après-midi, elle restera à la maison tranquillou. Bon, en tout cas, moi je retiens que encore une fois, on allait à la salle de sport et qui c'est qu'on a vu Nicolas, quoi. Ouais. À mon avis, c'est pas un hasard, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh non, une journée de coupure d'eau. Ah ben, on a bien fait de prendre notre douche ce matin. Il a reçu une amende, bah très bien. Ah ben, il vient de proprio. Ben oui, mais il vient toujours quand on n'est pas là. Donc à chaque fois, il peut pas rentrer, il me semble, quand on n'est pas là. Hein. Ah mince, on a du retard dans le paiement du loyer. Mais attendez. Il me semble que je l'ai payé juste avant en off. Bah oui. Donc ouais, là, je comprends pas. Apparemment, on avait du retard dans le loyer, mais... En tout cas, il est bien payé. Bon, bah écoutez, on peut rien faire du coup. Hein. Après, c'est vrai que ça doit pas aider le fait qu'à chaque fois, ils viennent notre proprio et qu'on n'est pas là. Mais bon, en même temps, il n'a qu'à venir quand on bosse pas, en fait. Il est relou, lui aussi. Enfin bref, bah ouais, il va peut-être venir nous prendre des meubles. Donc ça va être un peu relou, mais bon, ma foi. Bon, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va de suite faire une sieste. Voilà, sur le canapé. Et après, elle ira continuer l'écriture. Ouais, elle en a un en cours. Ah oui, c'était toujours ce livre, Seigneur Chat au Conseil des Chats. Allez, on va essayer de le terminer. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah elle a déjà fini sa sieste. Ah purée, je sais pas. Ça allait vite en fait. Bon, ok. On va pas tenir longtemps comme ça. Hein. Ah, et puis maintenant elle a envie d'aller aux toilettes. Toujours un truc qui va pas. Hein. Ah oui, je voulais voir comment on était au niveau des machines. Ouais, on va bientôt être plein. Et ici aussi. Il va falloir peut-être qu'on en fasse une.
Par contre, j'ai juste. Je me rappelle du bug de la machine à laver qui prend feu et j'ai juste pas envie que ça arrive encore. Donc, bon, on va tester, hein, on verra. Hein. Non, en fait, le livre, elle a pas du tout fini. Hein. Je sais pas si on arrivera à le finir. D'ailleurs, il va falloir qu'elle passe aux toilettes. J'ai pas envie qu'elle se refasse dessus une deuxième fois. Donc voilà, passe aux toilettes d'abord. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'elle allait pouvoir lancer une machine. Le temps qu'elle écrive, ça peut être pas mal. Ah mais non, mais c'est vrai, l'eau a été coupée. Jusqu'à 21h, oh là là. Bon. Bah, on verra si on y pense à 21h de lancer la machine. Hein. Bon, il faut qu'elle mange quelque chose par contre, là. Il y a encore des restes, donc on va prendre ça. Hein. Après, c'est un peu tôt quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. On va dire qu'elle a déjà faim, donc elle mange maintenant. Comme ça, c'est fait. Et après, tu continues l'écriture. Parce que là, on n'a pas beaucoup avancé. Ah oui, mais elle est déjà fatiguée. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. Limite, elle va devoir refaire une micro-sieste. En vrai, je pense qu'elle va faire ça. Hein. Mais bon, pas tout de suite. Hein. En vrai, j'ai l'impression que l'énergie, elle baisse très peu. Ça reste comme ça, en fait. J'ai pas l'impression que ça aggrave beaucoup. Donc bon. Ouais, mais bon, elle tiendra pas toute la soirée. Ouais, là, ça y est, ça s'est aggravé. Donc elle va faire une sieste. Elle va faire sur son lit. Faire une sieste. Et l'avantage, c'est que quand elle se réveillera, ben, on pourra lancer la machine normalement. Bon, voilà. À dire que là, elle est un peu fatiguée, donc elle se repose, elle fait des micro-siestes. Ok, c'est bon. L'eau n'est plus coupée. Voilà, ben, il est 22h. Ah, elle est triste. On n'a pas vu ses parents. Ouais, mais là, on ne va pas les inviter, il est 22h. Bon, on les invitera une prochaine fois. Bon, du coup, oui, la machine. On va vite la lancer. Voilà. Et du temps, bah, elle va reprendre l'écriture, même si elle est toujours fatiguée. Hein. Voilà. Bon, par contre, on n'aura pas fait la compétence charisme du tout, du coup. Mais c'est pas grave, voilà, elle était tellement fatiguée que je pouvais pas vraiment. La machine, elle n'est pas encore finie. Bon, pas non plus qu'on se couche trop tard, parce que c'est vrai qu'après, on n'a pas le temps de beaucoup se reposer. Ah bah ça y est, elle a fini son livre. Ah mais je m'attendais pas à ce qu'elle le termine ce soir là. Ah mais trop bien. Et attendez, il est bien ou pas? Ah ouais! Ça a coché un bon livre, super. Bon ben on a 2 sur 5. Ok. La machine, elle est finie. Mettre au sèche-linge. Et sécher le linge. Ok, bah écoutez, ça a pas pris feu, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, elle est très fatiguée par contre. En fait, j'aimerais bien juste que la machine se finisse, comme ça on range le linge, et après va se coucher. Ah oui, par contre, attendez, faut que j'aille vendre le livre là. Donc, on va vendre à un éditeur, voilà. Et c'est ce livre. Et voilà. Super. Ah, il y a une cérémonie. Ah bah écoutez, c'est dimanche, on est jeudi, bon bah ça sera pour la prochaine fois. Hein. Ça sera pour l'épisode 10 du coup. Donc on ira à la cérémonie, pas de soucis, mais ça sera pas pour cet épisode. Ah bah c'est toujours pas fini, mince. Ah ouais, mais là, elle est encore ultra crevée, là. On va faire une micro-sieste le temps que ça se finisse. C'est un peu bête, mais bon. Voilà, comme ça, on pourra récupérer le linge et aller se coucher. Bon bah c'est super, on a fini un troisième livre. Et en plus, on a reçu une récompense et il y aura la cérémonie pour le prochain épisode. Et ça, du coup, c'est fini, donc on va pouvoir... ranger le linge, il est bien propre, sec et chaud. Bon bah nickel. Allez, c'est bon. De toute façon, tu vas te coucher juste après. Ok. Bon bah, par contre, il est 2h30. Hein. Oula, ouais. Ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ce que je ferai, c'est que pour le prochain épisode, je ferai en sorte qu'on soit le dimanche pour la cérémonie. Donc peut-être que je ferai un ou deux jours en off. Comme ça, on pourra faire la cérémonie au prochain épisode. Et nous, du coup, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Et c'est sur cette image d'Antea qu'on se laisse pour la partie let's play de cet épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, de rester jusqu'à la fin, puisqu'il y aura juste après le machinima de fin. Et d'ailleurs, on en saura un peu plus sur les nouvelles hypothèses d'Antea sur l'identité du photographe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à mettre un commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.
But you never loved someone. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones. Hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, 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 nothing. You don't know what it feels like. Baby, I'm hurting, 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 hurting. And you don't even ask why. Why I'm staying up all night. I haven't slept since you came into my life. Why I'm drinking all the time. Why I'm feeling lonely when you're here by my side. I just want something, 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 something from you. Au vu des éléments, nous pouvons affirmer et confirmer que ces deux meurtres sont l'œuvre de tout. Ce tueur qui s'évissait en Wittenberg, c'est le cas d'arrière. En attendant, je vous demanderai d'être extrêmement vigilant. Un photographe est un tueur qui est extrêmement dangereux et imprévisible. Le photographe fait une nouvelle victime. C'est Pierre. Je suis désolé, entendre. Anthea, méfie-toi des apparences. Méfie-toi des apparences. La vérité est sous tes yeux, Anthea. La vérité est sous tes yeux, Anthea. Ça fait plusieurs jours que je fais toujours le même cauchemar, comme celui de cette nuit. Je revois toute l'affaire du photographe, toutes les scènes de crime, le meurtre de Raphaël, puis celui de Pierre. Mais le plus perturbant, c'est que ce cauchemar se termine toujours de la même manière. Raphaël et Pierre me parlent. Ça paraît tellement réel que j'ai l'impression qu'ils sont juste devant moi. En plus, j'ai l'impression qu'ils veulent me faire passer un message. Tout ça me fait beaucoup réfléchir depuis quelques jours. Tous les jours, je rassemble à nouveau tous les éléments de l'affaire du photographe, et notamment mes dernières conclusions. Le meurtre de Pierre, la jalousie du photographe, les messages de Raphaël et de Pierre dans mes rêves. Tous ces éléments me ramènent sans cesse vers la même personne, le même suspect, Nicolas. Au début, ça me paraissait improbable, mais ça paraît de plus en plus rationnel au fur et à mesure de mes réflexions. Le photographe n'a jamais commis d'erreur. Il sait toujours parfaitement ce qu'il fait. Il sait comment assurer ses arrières. Comme quelqu'un qui travaille dans la police. C'est la position parfaite pour un tueur en série. Et encore mieux, être le lieutenant qui travaille sur sa propre affaire, ça lui permet de surveiller de près l'avancement de l'enquête et d'avoir toujours une longueur d'avance. Et puis, j'ai toujours trouvé le comportement de Nicolas bizarre. Surtout avec moi. Il était le seul à savoir à quel point je m'étais rapprochée de Pierre. Et ça l'avait bien agacé d'ailleurs. Ce qui s'est passé l'autre soir où il est venu chez moi aussi. J'ai dû m'endormir sur le canapé et je crois qu'il m'a amené dans mon lit. Je saurais dire ce qui s'est passé, j'étais tellement fatiguée, mais je me suis réveillée dans mon lit et je sais que je n'y suis pas allée de moi-même. Ça m'angoisse de penser que j'étais totalement vulnérable. Bref, il va falloir que je garde tout ça pour moi. Je vais devoir enquêter seule sur cette hypothèse. En tout cas, en attendant d'avoir des éléments plus concrets. Si le photographe fait partie de la police, ce serait une affaire sans précédent. On verra bien si j'arrive à rassembler des preuves. J'espère que je fais pas fausse route.